quelques sages tombés du ciel apparaissaient ici et qu'il se mit à crier. Non, ce monarque que tous révèrent comme un souverain et comme un dieu n'est pas même un homme, puisqu'il est comme l'animal, gouverné par les sensations. Ce fils en deuil qui pleure son père devrait se réjouir, puisque le défunt a commencé de vivre véritablement. La vie terrestre n'étant qu'une sorte de mort. Cet autre, qui tire honneur de ses armoiries, n'est en fait qu'un vilain et un bâtard, parce qu'il reste étranger à la vertu, d'où sort toute vraie noblesse. Si ce sage parlait ainsi de chacun, qu'arriverait-il? Tout le monde le prendrait pour un fou furieux. Croyez-moi, il n'y a rien de plus impertinent que de vouloir être sage à contre-temps. On ne devrait jamais oublier cette loi des banquets. Buvez ou allez-vous-en. Autrement, c'est demander que la comédie ne soit plus la comédie. Tu montreras du vrai bon sens, toi qui n'es qu'un homme, en ne cherchant pas à en savoir plus que les hommes. En te pliant de bon gré à l'avis de la multitude ou en te trompant complaisamment avec elle. Mais dira-t-on, c'est proprement de la folie? J'en conviens, pourvu qu'on m'accorde en retour qu'ainsi se joue la comédie de la vie.